Yo, what's up, everybody? J'ai envie de vous vlogger. Bah, en fait, on est le soir. nous sommes le 10 juillet et demain, on va faire un petit truc avec des amis. Donc, j'ai décidé de vous apporter avec moi. Donc, c'est pour ça que je vlog. Donc, voilà, là j'ai pas de batterie, donc je vais devoir vous laisser et sûrement on va se reparler demain matin. Donc je vais vous donner plus de détails de ça, donc à demain! Yo, what's up? Il est rendu 10h14 et je suis en train de me préparer. Faut que je commence à me dépêcher parce que voilà. Là, je vais partir vers 10h35, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Donc je vais me préparer, je vais me mailler et je vais me coiffer et après on va partir. So let's go, je déjeune pas aujourd'hui parce que si je déjeune... Ah, je vous ai pas dit, c'est vrai. Me maquiller en même temps parce que sinon je vais jamais avancer. Bon. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au buffet avec des amis parce que ceux qui connaissent Isabelle, ben vous savez c'est qui. Ben elle s'en va au Nouveau-Brunswick, donc on va comme plus jamais la voir. Donc on veut faire un truc avant qu'elle parte. Donc on a décidé d'aller au buffet. Voilà, on va aller au buffet et on va passer un petit peu de temps ensemble. Donc voilà, c'est pour ça que je déjeune pas ce matin. Parce que si je déjeune après, j'aurai pas faim, pas du tout. Donc voilà. Donc là je vais me maquiller. Et voilà. J'adore. Et regardez avec qui je suis. Avec, c'est quoi mon nom déjà? Isabelle. Puis, on est en train de marcher pour aller à Côte Vertu. On va manger. Manger. That's gonna be lit. Et, c'est ça, j'ai chaud. T'as pas chaud? Si, chaud. Mais nous, on est bête, on va mettre des trucs en jeans et on est en train de dire qu'on a chaud. C'est ça, sortir sans veste, c'est comme... Et comme ça, c'est bizarre. Weird. Je me sens en sécurité avec ça. Exact. Même avec le sac, je peux pas, mais c'est juste comme... Ouais, même moi, maintenant que j'ai pas de sac, je trouve ça fucking bizarre. Comme... Parce que j'ai tout le temps mon sac avec moi, mais là, c'est comme fucking non, weird. En fait, moi, le sac, c'était pour mettre la nourriture du buffet dedans. Mais on a des petites poches, donc on va les mettre à l'intérieur, puis ça va être chill. Ah, parce que ça... Sleek. Bon, on est à full, on a déjà fini de manger. Et check-moi ça. Oh, look! Oh. Look, il a dit. Allez, je vais juste dire, si on peut pas à 7h05, on va aller à 9. 9! Gang, 9h! Elle va sortir à 9h! Et tu arrives là à quelle heure? Minuit? 1h du matin? C'est fini, hein, Laurence? Laurence? Ok, ils vont goûter cette merde. Good luck. Good luck. À go. On va faire juste ça, ok? Ça. Ok. On a mis... Non, ne touche pas. On a mis la le dino.
soir, on a mis du dino. Ah, tu peux pas bouffer. Heureusement, je me suis rappelé. Yo, moi j'avais oublié. Il y a de la gélatine. Gélatine. Goûte. Il y a du pain. T'as goûté? Non. Ah, C'est moi qui l'a fait, hein. Les enfants vont voir ça. Laissez-moi vous dire que là-bas, il y a de tout ce qu'il y a sur cette table. De la crème glacée, du wasabi, du jello, du coke. Du wasabi. C'est wasabi. Wasabi. Du wasabi. Et il y a quoi d'autre? Du truc chinois, biscuit chinois et c'est dégueulasse. De la sauce soya. Ah, c'est vrai. We did it, guys! On est sortis. Et on a tout fait. On a tout fait. Je ne mange pas. Yo! Moi, je suis stressée, ma vie, elle va pas me dire qu'elle va pas manger. Elle va manger. Elle va manger. Merde. Qui connaît Trolls? C'est plus drôle, hein? Non, c'est drôle, celle-là. C'est toujours drôle. Bah, on va aller prendre la soirée. On est tous en vomi en même temps. On met le chauffeur de bus. C'est flou. Comme quand c'était flou, c'est clair. C'est clair. So, on va aller voir Kimberly. Montre ça à la caméra. Comment? Check. Comme c'était clair là. Quand c'était vous, c'était clair. Et quand c'était à mon tour, check. C'est rendu flou. Même son propre faune le disrespect. Oh non. Okay guys, I'm back at home. Ça fait déjà, je pense, une heure. Il est rendu 6h40. It's been like 1 hour that I'm here. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était la dernière fois que je voyais une de mes amies. Donc, Isabelle ou Nélis, comme vous voulez l'appeler. Bref, son vrai nom, c'est Nélis. Ou Isabelle, bref, comme vous voulez l'appeler. Et voilà, on a passé une journée ensemble et tout ça. Après le restaurant, on est parti voir une amie qui habite comme à côté de chez moi. Puis on a passé un petit peu de temps. Et au moment que deux de mes amis devaient partir, on était six. Deux de mes amis devaient la dire au revoir, Kimberly et Laurence. Le bail a commencé à être... Comme c'était. On était triste qu'elle s'en aille, mais de compter, on peut rien faire. On sait que sa vie peut-être va être mieux là-bas. Et moi, je me dis que si le destin a voulu faire ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Voilà. Même si j'accepte pas beaucoup, je veux pas la voir partir. Quand tu penses pas t'attacher à autant de personnes, à des gens comme ça aussi forts, et au moment où, c'est le moment où on doit les dire au revoir, c'est le moment où ça fait tellement mal. Donc là, elle a commencé à dire au revoir à deux de mes amis, et elle a commencé à pleurer, puis j'étais comme... Je voulais vraiment pas pleurer, mais... C'est sorti, on était comme... 4 à pleurer, je pense, puis... Comme it was so hard, puis comme je la voyais pleurer, puis j'étais comme je l'ai pris dans mes bras et tout, puis c'était dur de la consoler parce que
Je savais pas comment faire. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh my god. Puis on a pris plusieurs photos pour se rappeler le moment et tout ça. Et après on est accompagné chez elle, comme elle habitait à côté de chez moi et à côté de où on était. On l'a accompagné et même si on avait mal aux pieds, même si on n'en pouvait plus, même si on était super fatigué, on a continué, on est resté avec elle et jusqu'au dernier moment qu'on pouvait. Et voilà, après nous les autres, on est partis, moi, ça allait avec une autre fille. On est parti, puis voilà, c'était la dernière fois qu'on les voyait. Qu'on la voyait. Parce que les autres, je sais que je vais les voir encore à l'école et qu'on va toujours être amis. Mais notre groupe sera plus pareil sans elle parce que c'était un élément fort, puis. Ouais. Comme you guys là, je l'ai comme, je la vois là, man. Puis je me dis, fuck, c'est la dernière fois que je la vois. Fait que c'est ça, c'était, je voulais pas trop filmer parce que c'était comme notre dernière journée, mais je voulais aussi filmer, mais comme, voilà, je voulais pas trop filmer parce que quand même, donc, voilà, je suis désolée si le vlog a été court, mais bon, ouais. Je vais continuer à vlogger aujourd'hui. Donc, c'est ça, on a essayé. Voilà. Donc, là, je suis retournée chez moi. Et puis, je vois qu'est-ce qu'il y a. Il y a ma valise là. Parce que je pars dans 5 jours. Je pars le dimanche et on est mardi. Donc, ma mère veut que je commence à faire ma valise. Mais je suis comme. J'ai encore 10 ans. Mais je sais que je vais dire ça comme pendant tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, on va être samedi, j'aurai même pas encore fait ma valise. Le problème, c'est que moi, vendredi, je vais aller voir mon ami à l'école, parce qu'ils ont cours d'été. Et quand je vais revenir, ou je sais pas trop quoi, mais il faut que je fasse le lavage ici, et laver la maison, et bref. Samedi, j'aurais pas envie de faire ma valise et puis je pars dimanche à comme 5h du matin. Yes, d'accord. Je sais pas comment je vais faire. So, je pense que je vais commencer à le faire maintenant, à mettre mon make-up, à choisir mes outfits parce que je sais même pas ce que je vais apporter. J'ai aucune idée. Je me suis fait une petite liste du genre qu'est-ce que je devais apporter et tout. Donc j'ai mis mes maillots, mes sous-vêtements, mes gougounes, des sandales, des souliers, 8 outfits, donc 8 chandails et 4 pantalons, un chandail chaque jour, obviously. Des outfits of the day pour le soir, 4 paires de bas parce que je vais porter des souliers, 2 pyjamas, dans mon make-up j'ai mis quelle trousse c'est avec. Bref, quelle trousse allait avec quoi? Donc, ma trousse rose allait avec mon make-up. Ma trousse transparente, c'était mes make-up brush. Mon démaquillant, mon truc de cheveux, mon peigne élastique, boubé pin, bandana, trousse noire. Mon huile pour les cheveux, ma brosse à dents, mes bijoux. Bon, mes bijoux, je pense que je vais apporter quelque chose. Mon chargeur caméra, mon selfie stick. Et dans mon voile, dans mon sac, mon phone, ma caméra, mon book pour coloriller, des crayons, mon chargeur de phone, mes écouteurs et ma jacket. Mes lunettes de soleil qui va dans ma valise, mon protège-lunettes qui va dans ma valise et mon waterphone case dans ma valise. Oh, je voulais pas montrer. Hier, je pense que c'était vendredi soir, j'ai commandé un waterphone case.
Bref, je sais pas si je l'ai bien dit, mais ouais. Attendez. Je l'ai acheté samedi sur Amazon. Vendredi soir sur Amazon, puis il est arrivé hier. Donc voilà, je l'ai essayé, j'ai mis mon phone à l'intérieur. Puis je l'ai mis dans l'eau, puis ça a bien marché. Donc si vous voulez vous en acheter un, je vous recommande parce que ça marche bien. Donc voilà. Donc je pense que je vais commencer à faire ma valise, je pense. J'ai pas envie, mais bon, il faut que je la fasse. Donc voilà. Let's do it. Let's do it. Let's do it. See you. Bon. La valise en avance. Il est 7h30. J'ai mis mon pyjama. Un truc pour la plage. Mes culottes, mon maillot, mes bas, bon d'accord, mes soutiens-gorge, bon d'accord. Et là, je suis en train de faire les outfits que je vais porter et tout ça. J'ai aussi mon make-up bag qui est prêt. Même si mon make-up de tous les jours, je pense pas que je vais me maquiller d'ici là parce que... Ouais, voilà. Ça, je vais apporter ça dans ma valise, dans mon sac. Ça aussi, ça va être dans mon sac. Il faut que j'apporte ça aussi. Oui, parce qu'on va pas dans un hôtel. Donc, c'est pour ça que je l'apporte. Donc voilà ma pâte à dents et tout. Donc voilà, je vais checker ça. Donc let's go. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Oh my god, je suis fatiguée. Mais bon, let's go, let's do it. Et tengo que hacer pa que bailes conmigo. Je ne sais pas si je fais ça. Je vais faire ma valise avec mon sac. Ben, il me manque encore des trucs à mettre comme des culottes, puis ma brosse à cheveux, puis des trucs comme ça, puis mon rechargeur, puis des trucs comme ça. Donc je l'ai écrit là-bas. Comme ça, genre, je vais le voir après tout. Oh shit, goddamn! I don't have to forget that. Oh shit! Comme vous pouvez voir, j'ai belle avec moi. Donc parce que. Parce que. Son papa. Son maître, donc mon oncle, est déjà dans le pays où je vais, ok? Donc, tu sais, c'est tout planifié. Donc, eux, ils sont allés, ils sont partis comme le... Attendez, laissez-moi les voir. Ils sont partis le 3 ou le 4, le lundi ou le mardi de la semaine passée, donc ça fait déjà une semaine qu'ils sont là-bas. Et, ben, disons, on a apporté avec nous... Ah, ça, ils sont partis le mardi, ouais. Ils sont partis le 4. Puis, qui devait garder Bella, ben c'est nous. Donc, quand nous, on va partir, on va la donner à ma tante. Mais comme, tu sais, bref. Donc, on va la donner à ma tante parce que, ben, nous aussi, on va partir. Il y a mes deux frères qui vont rester ici. Mais quand ma mère les fait pas confiance. Parce que comme eux sont tout le temps dehors, puis comme on veut pas la laisser ici toute seule, comme elle va rien faire de sa life, alors on a décidé de la porter chez ma tante, ben ma cousine en fait, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, donc voilà. Je sens que je vais être malade, oh my god. Donc voilà, quand on va arriver dans le pays, ils vont venir me chercher à l'aéroport, puis ouais c'est ça. En fait vous verrez là. Donc, voilà, je ne vais pas encore vous dire quand vous allez avoir le vlog en ligne. Vous allez voir où est-ce que je suis allée, mais...